Salut à toutes et à tous, ici Cadion et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de Dragon Ball Legends. Et comme vous pouvez le constater, j'ai grave level up, hein, parce que maintenant je suis niveau 18 et vous allez voir, en fait, ça va être assez compliqué de faire l'aventure sans torcher tous les ennemis parce que, bah, comme vous pouvez le constater, j'ai plusieurs équipes et bah, ça a grandement changé. Donc déjà, mon Vegeta, j'ai eu un Sparking 4 étoiles. J'ai up Shallow, Freezer, Vegeta, Pan, je crois pas, bah Goku et mince et Peikuan jusqu'au level 600. Et là, il faut que je farme encore les matériaux pour pouvoir les up level 1000 en fait, pour les faire monter jusqu'au level 1000. Et bah, comme vous pouvez le constater, j'ai grave avancé de mon côté parce que j'avais trop envie d'y jouer et je suis parti très loin. Ok, on est reparti. Donc il s'était mis en veille. Il s'était mis en veille mon portable et du coup j'ai pas pu continuer. Alors attendez, je regarde sur ma vidéo YouTube parce que je sais plus en fait. Je sais plus. Chapitre 1, épisode 4. Ok, donc là on va commencer le chapitre 2 dans le prochain épisode. Alors, on va faire l'event de Raditz, puisqu'il y a pas mal d'events en réalité. En ce moment il y en a un de Nappa aussi. Les trois autres ce sont plus pour de l'XP et des Zeniths. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, on va faire Raditz. Alors, on va faire le premier épisode. Et je vais vous remettre toutes les cinématiques, puisque moi, je les ai vues, mais pas vous. Voilà. Donc, attendez, il est level combien? Level 100. On va pas prendre cette team-là. On va prendre celle-là, parce que sinon, ça va être beaucoup trop simple. Genre, Raditz, en fait, je vais le one-shot avec une seule technique de Shallow. Ça sert à rien. Voilà. Honnêtement, ça sert à rien. Donc, c'est parti. Donc n'oubliez pas que ça va retracer justement l'arc des Saiyans entre Raditz et Goku quand Raditz vient justement le chercher et que Goku n'a pas d'envie. Voilà. Ouah ! Carotte, tu vas me confier ton gosse et si tu veux le retrouver en un seul morceau, tu as intérêt à obéir à ton frère. 5 ans ont passé depuis la lutte implacable contre Piccolo Daimao. Raditz, le frère aîné de Goku, se rend sur Terre pour rallier son cadet à sa cause. Goku ayant refusé la proposition de Raditz, ce dernier prend en otage Sangohan, le fils de Goku. Afin de sauver Gohan, Goku s'allie à son ennemi d'antan, Piccolo Daimao. Pendant ce temps, tu devras te battre seul contre lui pour détourner son attention. Oh, en plus, avec les dessins d'époque, c'est trop stylé. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Tu le sais très bien, je suis venu récupérer mon fils. Tu vas t'opposer à ton grand frère? J'ai pas de frère. Carotte, j'ai renoncé à l'idée même de t'avoir parmi nous. Tu serais un vrai boulet, c'est tout. Tu es la honte de notre famille, tu vas mourir. Bon, si vous entendez de la pluie derrière moi, c'est normal. Parce qu'en ce moment, c'est un peu la fin du monde sur toute la France. Du coup, je suis désolé, mais bon. Mon Blue Yeti capte malheureusement le bruit, donc ça, j'y peux vraiment rien. Putain, j'ai trop envie de jouer le Goku Sparking Genki-Dama en plus. Il est trop stylé. Allez, c'est parti. Bon, ça va être assez simple, hein. Je vais pas vous mentir. Mais ouais, ça fait longtemps que j'ai pas joué avec vous, en tout cas. J'allais dire à Fighters, mais non, pas Fighters. Quoi, il est fatigué, qu'est-ce qui est arrivé? Je vais essayer de vous faire une attaque dévastatrice, vous allez voir, c'est trop stylé. Mais ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti d'épisode de Legends. Donc c'est cool que j'en sorte un. Parce que j'avais envie de vous proposer un peu tout ce que j'avais fait depuis. Allez. Oh, j'espère que je... Non, je vais pas le tuer avec un Genki-Dama. Techniquement, non. Bon, ça suffit. Oh, je vais faire plus de dégâts en faisant ça. Je crois. Oh, c'est bon. D'ailleurs, j'ai fait quelques combats en ligne, du coup. Et c'est assez aléatoire. On peut tomber sur des gens extrêmement forts qui maîtrisent à mort le jeu. Et qui vous poutrent la tronche, d'ailleurs. Et des gens qui sont un peu nuls. Voilà, il y a vraiment de tout.
C'est assez aléatoire, mais c'est plutôt marrant. Mais le jeu est vraiment vraiment sympa. Hein. Je sais pas si vous y jouez régulièrement, mais je le trouve vraiment super. C'est un jeu mobile qui se fait sans prise de tête, vraiment. Du coup, il n'y a aucune déception. Et en plus, ce qui est génial avec celui-là, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème de serveur ou quoi, il vous donne des compensations hein, le lendemain et c'est vraiment chouette. C'est pas comme Duck Hunt Battle. Vous ne faites le poids ni l'un ni l'autre. C'est navrant. Mince! Hé, Sangoku! Tu n'aurais pas une nouvelle technique à sortir? Hé, excuse-moi, franchement, non, pas du tout. T'assures pas sur ce coup-là. Dire que moi, je me suis retourné dur pour en mettre une nouvelle au point. Putain, j'ai bugué. Le fameux macaque en sa peau! Comme je disais à l'époque, le macaque en sa peau. Ce qui ne veut rien dire. Bon, épisode 2. Ok, 216. Un peu plus déjà. On mettra Goku, Piccolo et Chaozu. Ça devrait aller. Si ça va pas, bah c'est pareil. Bon, deuxième épisode. Ta nouvelle technique fatale, tu es sûr qu'elle va marcher sur lui? À mon avis, oui. Et si ça ne marche pas, on n'aura plus aucun moyen de l'avoir. Super. Quelle est donc cette nouvelle technique mise au point par Piccolo? S'avérera-t-elle efficace face à Raditz? C'est une attaque qui nécessite pas mal de temps pour concentrer mon énergie. Pendant ce temps, tu devras te battre seul contre lui pour détourner son attention. D'accord. Dans ce cas, je vais le retenir d'ici là. Da! Mouah! Écou! Aïa! Nikouli Makouli! Pour Frodon! Merde, je me suis trompé de référence, désolé. Bon, on va mettre Piccolo, Goku et on avait dit Chaozu, voilà. Chaozu. Bon, j'espère réussir. Oh, ça devrait le faire quand même. Faut pas déconner. En garde! Il met des tongs! Ah non, pas la TP. Bon, ça va, je prends pas très cher. Plutôt une bonne nouvelle. Ah, mais arrête! Ok, mon bro. Ok. Je vais te matraquer de boules d'énergie. Tu vas rien comprendre. Mince, je voulais pas switch sur Goku direct. Je voulais envoyer d'abord Chaozu. On va juste un peu se booster. Oh là là, la prise! Oh, j'ai horreur de ça quand il recule. Je sais pas ce qu'il veut faire en fait. Allez, le Genkidama! Donnez-moi votre force, les amis! Ok, on va mettre Chaozu. Force de troll. Oh oui! Attention! Bon, ça va, c'est plutôt facile pour l'instant, donc c'est ok. Il y a moyen de faire des erreurs, c'est pas grave. Vas-y, Chaozu, démonte-le! Vas-y, montre-nous de quoi tu es capable! Les attaques destructrices, elles sont vraiment stylées, hein. Peu importe les persos, c'est trop trop stylé. Dadompa! Les effets, pff, je m'en remets toujours pas, ils sont vraiment cool. Hein. Putain, cette tête de troll, quoi. Chaozu, respecte un peu plus ton adversaire, s'il te plaît. Bon, en plus, je récupère quelques cristaux, ça va être nickel pour améliorer mes personnages. Ça m'aide bien. Donc ouais, là, j'essaie d'avoir Broly en ce moment. Mais c'est compliqué. Prends ça! Makanko Sapo! Le fameux sacrifice de Goku. Comment? Il l'a esquivé! Tu vas me le payer, mon vieux. Finis de rire maintenant. Tout est perdu. Vous allez crever! Quoi? Tu as manqué de vigilance. J'ai attrapé ta queue. Waouh! Quand est-ce que tu... Piccolo, proviseur, recommence ce que tu viens de faire. Bien joué, Goku. Cramponne-toi bien à sa queue. Putain, ça devient Peggy 18, votre histoire. Je veux pas savoir le reste. Du coup, je viens de le faire. Voilà. Donc, épisode 3, et après, il en restera... Ah, il y a quand même pas mal de trucs à faire. Hein. Épisode 3. Donc... Ok, donc là, il est level 300. Bah, je vais garder le même roster, ça devrait le faire. Puis après, si ça devient compliqué, je mettrai Vegeta au cas où. Piccolo, profites-en, recommence ce que tu viens de faire. Ouais, ça l'a vu.
Goku a réussi à attraper la queue de Raditz et à l'empêcher de bouger. Mais alors que la victoire tend les bras à Goku et Piccolo, j'ai changé d'avis, je vais quitter cette planète comme tu le voulais. Te laisse pas embobiner sans Goku, il ne pense pas ce qu'il dit. S'il te plaît, Carotte, crois-moi. Ne lâche pas sa queue, c'est une de ses ruses. Oh bah merde. Ouah! Bah bravo Goku. Quelle naïveté tu fais. Ok, même team. Pas de problème, on va le soulever. Like the World Cup. Yes, yes, yes. Bon. On va essayer de survivre. Ce sera peut-être un tout petit peu plus dur. Commence toujours par les boules de ki. Ah, super. D'accord. Non! Oui, 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 oui. Voilà. Bon, Chaozu, il va pas faire long feu. Bah, Chaozu est mort. Voilà. Ah, super! Ouais, ce combat va être dur, mais on peut l'avoir sur l'endurance. C'est faisable. Putain, il est tellement stylé. Avec un enchaînement destructeur, il y a moyen que je le défonce. Oh non! Allez, on peut y arriver. Allez. L'explosion est tellement stylée. Oh là là là. Quoi? Ah, c'est rare d'avoir quelqu'un d'aussi niaise que toi. Niais, oui, c'est vrai qu'on dit pas niaise. Arrête de faire du mal à mon papa! Ah oui, le fameux coup de tête de Gohan, ça le morveux. Il faut le tuer maintenant qu'il ne sait pas servir de sa puissance. Va en enfer! Non! Comment tu fais pour avoir autant d'énergie? Piccolo, dépêche-toi, lance ton attaque! Lâche-moi, Carotte, tu ne t'en sortiras pas non plus! Hé hé, je suis prêt à mourir avec toi. Je suis désolé, je ne reviendrai plus jamais sur cette planète. Tu m'auras pas une deuxième fois. Pendant pour l'attendre, tu es prêt? Vas-y! Ouais! Malédiction! Allez! Merde, me faire battre par ces minables, moi! Au même moment, l'autre bout de l'univers. Ça alors, Raditz, c'est mort. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber cette planète pour le moment et on voit ce qui se passe? Ça m'a l'air intéressant, ce Dragon Ball. Ils ont dit que ça exaucait n'importe quel souhait. Ok, on y va. Qu'est-ce que tu dirais d'avoir la jeunesse éternelle, de ne jamais vieillir? On pourrait continuer à combattre jusqu'à la fin des temps. Ah ouais, super bonne idée, tiens. Goku s'est sacrifié pour battre Raditz. Mais de nouveaux ennemis menacent la Terre.